Voilà, Jenny Congo, bonjour, fidèles téléspectateurs. Nombreux qui nous suivent en ce moment, Jenny Congo, Tozana Mabélé, Tozana Terrain, Tozana Cadre inhabituel, pour nous présenter Bino Jenny Alelo, ou Aïna Makanistiki Toko, pour nous bilingue, en même temps aussi pour nous Bakondi, Bakambia Mboka. Donc il s'agit bel et bien de monsieur Ndefi Matantima, ou Azali Bongo, président du mouvement. Citoyen de son enfant, il y a aussi 3 ans, pour Robert appelle le solo un mouvement de son enfant, mouvement citoyen. Et de l'autre, Robert a cité dans l'Italie entrepreneuriat, à Rolimaro, Pé, Sapena, Makanisipé, comment créer emploi, Nabilengue. C'est ça, il est prioritaire pour le développement en Bourg-en-Abisso. Et Moron Djambé, merci à Lenka Bongo, merci à Bastouatan, à Bouzawana, à Monyola, à Bounonzinga, à Kissabanjolo. Merci qui fou fissant à Tunga. Ah, Hermac Romain Makonda, Karine, bébé. Yayouangouna, Kitoko. Alors, bienvenue, monsieur Matantima Ndefi, dans l'émission Kitoko Génie Congo, notre génie du jour. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les spectateurs et à Génie Congo. Ça fait moi, Mikolo, tout mon anité. Na zane se moumim, ya recevoir Bino, na terrain. Topé Simbote na ba membre nion sur la Dressons au fond. Dressons au fond, c'est 3 ans déjà. 3 ans d'enracinement. Ba jeune, ba Hollande, Abissou et Bélé. Ba Zokome, Abissou et Bélé, merci. Tant bien que mal, tozo répondre na ba idée nion sur ba Zotine de l'Abissou. Et tozo encourager bango toujours, tozo à la INI. De manière que tozo à Rotombo, Lambo, Kanabissou, na nenge à Dressons au fond. Voilà, alors, tu es un comme architecte, au PSR Makanisi Baïdé, oui, mais cela l'empêche, tout comme il a saison de pluie, il a habité un petit conseil dans Baïké, au Bazon d'Abisso, dans le milieu où Sengeli Penza, tu vois, de la précaution, pour avoir été vous là, en tant qu'expert à la matière. D'abord, tout le monde est là. Bon, le bâton fan dans la tête, au fan dans la tête, tout le monde est là, multidimensionnel, multisectoriel. Pour faire le domaine entrepreneurial, la création, il y a misala et emploi. Mais un petit conseil. Mbouleye, tu as vu que Mboka na biso, ba infrastructure, il y a qu'on recueillir ba maï et ça, penzate, ba tout, et que ba ebele, ba tongi, na ba zone oyo, et longobanite, gouvernement pe, asalipe, et forte, il y a qu'on amener une politique de logement nouveau. Ce qui est très regrettable, c'est là où les Congolais doivent comprendre que la responsabilité est en train de se faire. Ce qui est espoir, c'est si un jour, tu as un coup de feu, tu as un coup de feu, tu as un ville de feu, tu as un moyen de peuple à un logement décent et salité. Aujourd'hui, pour pallier le problème de la pluie, il faut et il est faux. Une nouvelle stratégie. Parce que Villa Kinshasa s'est s'attirer. Et qu'on pose à Bissot toujours un problème. Le problème, moi, c'est que je voler et belé. Voler à Liboso, il faut que les jeunes soient mis là. Les jeunes soient ça là. Il faut que les jeunes soient comme entrepreneurs. Parce que ceux qui sont jeunes, ils belé. Ils sont mis là. Ils sont entrepreneurs. Ils ont la capacité de retourner à la ville à Sika. Parce que ville est tombée à la ville à Mosolo. Le loi a été mis en ville à Sika, au moins, les Congolais ont été revendus à Gounaté. Pour avoir mon soloté, au moins, les Libanais. Parce que, du point de vue emploi, rien n'a été fait. Donc, la misère continue tant que la politique est changée. Il est temps, le loi, avec le leader Nabino, Dressons au fond, comme un seul homme, de comprendre, pour que tout soit de plus en plus exigeant. Parce que, les problèmes, il y a tout bazar, il y a des zones avec Kindele, des zones avec l'érosion. Il y a des zones non édificantes. Mais il y a des zones. Au monde, c'est difficile. Sauf que l'État a une responsabilité à mettre, nous sommes en train de faire. Voilà un peu ce que nous voulons. Voilà, alors avant de. Que nous avons sujet d'Abisso, 3 ans, il y a un mouvement citoyen intéressant au fond. Mon Jambé, je crois que c'est derrière toi, moi et qui contrôle. Un mot, d'abord bon anniversaire, mouvement citoyen de son enfant. Merci, merci, merci beaucoup. Merci vraiment. En tout cas, mouvement citoyen de son enfant, sur terrain, qu'est-ce que vous avez fait sur terrain de son enfant? Le lot de son enfant est comme une grande famille.
tous ont implanté pratiquement dans la commune et belé à ville à Kinshasa. Tant que totali déjà dans mon alema, sali na ba ngalema parce que bazali majoritaire. On va en arrêter à dresser au fond, bas quartier ngalema mais belé, bas quartier CAC, bazali et belé, bas quartier comment je peux dire, en tout cas bas quartier ça est belé, na ozone bazali. Tu as un membre ébélé, ébélé dans la zone. Tu as un membre ébélé dans Kimboala, dans Pompage, dans Brikine. Baza, vraiment ébélé. Bon, tout ça, c'est aussi mon, en même temps Mongafula. Pour ça, tu as vu Kimboala, secteur, on a mis sur Mongafula, Kinele, Congelos. 24 communes Bozali. Qui n'est pas province. Tu as un Kitambo, tu as un Barumbu, tu as un commune à Kinshasa, tu as un Péawa. Na Lingwala. Voyez-vous donc, Dresson en force une très grande famille. La province, toi, na Bakongo, côté pays, Baboutembo, ma partenaire Bazali, ton Akisangani, ton partenaire grave. C'est un mouvement qui est en train de prendre petit à petit l'esprit des Congolais, pour réfléchir au Congo comme une entreprise. Pour plus, tu lignes tout le monde à Congo, le roi, entreprise, mon boy. Va gérer comment le rôle d'entreprise. Et puis, tu n'as pas en Akati, tu as la peine esprit d'entreprise. Esprit d'entreprise. Ah, ils ont un esprit d'entreprise. Donc, tu as un sujet mal mort. Non, esprit d'entreprise, ils ont une formation, ils ont un Congolais à Koki Kosoa. Ils ont la compétence, ils ont même un lobby, ils ont l'entrepreneur. Soit tu as un bon roi des États-Unis. Ils ont un bon roi très développé. Mais au moins, tu as un bon roi d'entrepreneur. Entrepreneur, il y a des compétences. Si tu as dit que tu as la Chine, le communisme, le Chine a fait avec des jeunes entrepreneurs. Notamment, si tu as dit Jack Ma, c'est un milliardaire chinois. Chine, le milliardaire, tu as dit que tu as dit que tu as dit Amazon, pour côté Katou et tout. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, le monde. Où ils ont se développé, ils ont se fait mi-balé. Compétences plus entrepreneuriat. Compétences plus entrepreneuriat. Il faut autant que la classe. Toi, au Rogozango, na Simamoutou, où ils ont déjà moins avance, na maîtrise dans le secteur Songolo Paga. Professionnalisme, il faut d'abord que la classe. Et puis après, au Rogozala, un mentor, il faut conduire. Si on a un génie, il faut que la mambala moko. Aux hommes. Mais il faut avoir la compétence. Compétence, c'est quoi encadrer. Et qu'on peut sur la ligne directive. Nous avons un grand peintre. Mais ce qui a ABC, il y a compétence. Il y a un monde dans le monde. Il faut qu'on soit dimension nationale et internationale. Il faut passer dans un cursus d'apprentissage. Quand on a un prédécesseur, il y a un fonctionnaire qui est pour ne pas aller dans le colonne. Parce que dans la vie, on a besoin d'un modèle. Mais il faut appeler histoire, il y a un domaine. Histoire, on a qu'on permet de la trace. Parce que quand tu as besoin d'inventer l'eau. Donc, on va te soucier de la salle déjà. On a dit le colo. Voilà. Alors, déjà, lobby, c'est hier, hein, collation, confédération des grandes académiques, la IEC, l'Académie des Beaux-Arts. Tout le monde a déjà une licence, et c'est Mobingi, Bassisi qui laisse. Ça, c'est déjà. Très très appréciable l'ambo cannabiso. Mais après, d'abord, je te fais une félicitation. Je suis jeune, je suis un diplôme. C'est un travail de titan. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans un environnement où parfois la formation ne cadre même pas avec la demande du peuple. Ce qui est sûr, formation, mais est-ce que le peuple a ce que est-ce que Oyo Sali retrouvait facilement emploi ou facilement créer? Ce sont des questions. D'une part, aux yeux diplômes, et même mieux à un certain niveau, c'est très bien. Mais d'autre part, il faut que tout le monde ait une compétence. Les gens s'occupent de la salle de la salle de la. C'est là la grande question. Quel est le projet on a ça là, même si on a reçu financement. Mais le projet n'a eu que ça, là, ils ont mérité financement. Ça, c'est important. Parce que maintenant, on continue dans le monde professionnel. Dans le monde, on va gagner vie.
Ils ont 5 ans, ils ont le bélé. Il faut quoi, demande d'emploi, bah, on s'est expérience à 5 ans, voilà tout ça. C'est la réalité en Mboka. Lorsqu'on fait des demandes comme ça, c'est qu'emploi a été. Et ça, une façon de décourager, de sélectionner, pour que les batouniers soient pour les chômeurs aux hommes. Mais là, comme ça, que les jeunes comprennent, ils sont ici, boé. Compétences nini et c'est ngani na zalana yango pour que na koka ko monter ba structure et ko permettre ngana ko mamutu lobby to soki na ko sala bo soki pe ba ofuta ngate et sikani na ko sala stage professionnel ata ya 2 ans pour na comprendre de rouage ya musala na ngapo lobby na monter lo na ngai c'est important. Alors maintenant tu vas prendre ngo en tant que génie du jour pour fin d'appelant, mais il y a vos personnes qui ça. Il y a mon gros salango, toi il y a mon banda gros salango. Ça c'est important d'abord. Hein? Pour qu'on puisse orientation, bon rappel, vous avez l'expérience, il y a mon gros salango qui a domaine. Non, ngai naza architecte de formation. Tant que j'ai eu diplôme ngai, je fais 2 ans de stage professionnel. Donc j'étais engagé avec un salaire minima. J'ai eu cette chance là, vie à port ngapé, parce que j'étais compétent. Nous avons fait des études d'architecture, des études aussi ici aux compétents. Voilà, bateau, bayebi, bayebi. Sauf aussi ici, moutoumo, aux a déjà utile. Oui, bi, koko salabou, koko salabou. Mais c'est un bureau d'études, koko salabou. C'est un chantier, c'est un livre, koko salabou, koko salabou. Et ça, bah, études, tout, koko salabou. La compétence, voilà, ça ne suffit pas. J'avais déjà un regard d'aigle. Dans le bino, la rose à la libérale, non. Fona, ça la casé quelque part. Pour nous, il y a ABCD et l'administration. Nandima qui, peut-être dans un salaire, moko dérisoire. Aux hommes, on n'a pas de l'olé l'olendote. Aussi ici, on n'a pas foutu 1000 dollars pendant que vous avez une compétence à 1000 dollars. Ça aussi. Donc, maintenant, par contre, se rendre compétent. Dans le domaine de l'abisso, nous allons dans le bureau d'études. Nous allons dans l'entreprise de construction. Et si vous avez un peu travaillé, vous exploitez, c'est bien. Mais yo, le plus important dans les 2 ans, ce n'est pas d'être riche. C'est d'abord d'être compétent professionnellement. Et ça, le rôle aussi, c'est une préparation professionnelle. Aux autres, on s'approfondit dans Moussala. Tant qu'on s'allie Moussala, on reçoit maintenant une vision et un métier. La vision et un métier, nous relancer projet. Bissot, par exemple, par rapport à cela, nous avons mis en place un projet. Notre projet, c'était de mettre en place un bureau d'études. Si on a sali bureau d'études, on a pensé à utiliser créneau nini. Moi, par exemple, dans mon avis, bon, les privés viennent dans un cabinet et ça va marcher très compliqué. Aux gens d'un côté, privé, c'est un rapport dans la famille, bien, il faut un ministre pour que ça marche bien. Mais moi, je me suis plus focalisé sur le marché à l'État. Parce que dans l'État, c'est un raté que oui, banana mutu hôtel. Binonio, c'est beaucoup dans la compétition. Or, le bureau d'études peut garantir de l'ébélité, contrairement à l'entreprise de construction. C'est-à-dire que, il y a pas qu'on monte dossier, c'est ce que nous avons fait. Le gars, tu as une expérience. Ni n'a pas tout ça là qui. Tout ça là qui, tu as une venture. On va bien avoir une association momentanée avec des entreprises ou des bureaux d'études. Oh, il y a un Moutouya. Au moment du marché, au moment du concourir, le bureau de Moune, il y a un attenté. On va coller la couloute. Là, il y a soumissionné. Si on a un bureau, on a un marché en bon moukier. Mais là, on a un bureau. On a un bureau, on a survivre. Bâché au poids. Et là, le management fait que tes relations humaines aussi, on va gérer. On a un manager, on a un chef d'entreprise, on a une maîtrise de la relation humaine. Il faut que ça ait une relation, il faut que ça ait un carnet d'adresse. Parce que, il y a un des salariés, tant qu'on continue un stage professionnel, et si vous avez ça, vous permettez aux carnet d'adresse. Et vous permettez aux gens qui mentor dans l'hôtel, ils ne sont pas là. Ils après, ils ne sont pas là. Parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Au moment où le projet, si vous avez une part, vous avez un compétent, d'autre part, vous avez un solo là. On a soumissionné, j'ai eu des appuis, des bureaux d'études, on a eu un bureau d'études, une expérience belle, ça m'a permis de gagner un premier marché. Et tout est parti de là. Très bien. Là, vous n'êtes pas limité
na niveau ya architecture et là maintenant vous avez aussi pensé à autre chose parce que la vie n'a évité ndenge moni pour ba jeune ba limba ba comment que vous allez entrepreneur il faut quoi avoir donc évoluer dans un seul domaine où il y a aussi nécessité il y a que vous allez domaine belé. Bon, ce qui est sûr, tant qu'on gagne moi mon solo, et Zali, domaine n'y on se fout à tout le temps. Il faut y aller divertir l'investissement. On a dit que nous avons dit que nous avons investi dans l'immobilier. Et ça, investissement, on investit. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons investi par exemple dans. Na vente moko boye et ya babiloko songolo et ça peut-être en dehors du domaine on a ça omoni on va bon na sali imprimerie na ngai pourquoi parce que bon ça peut t'aider na déjà na musalo zo ça les osenga imprimerie makasi na cadre présentation tout comme peut on va sur client et belé il y a domaine nayo oh par contre on a pas service on a secondaire osomona tout comme aussi on peut qu'on va marcher à l'état na cadre imprimerie Ozomona, parce que c'est un domaine aussi d'imagination. Ozomona. L'imprimerie, c'est un domaine d'imagination. Il faut ça là-bas calendrier, il faut ça là-bas carte de visite. Il faut imaginer. Tu as des jeunes talentueux qui te font des boulots dans ce sens-là. Et vous avez aussi essayé le domaine en haut, apparemment? Évidemment, évidemment. Nous avons, dans tous ces sens-là, puis pensé à investir aussi dans ce domaine-là. D'ailleurs, vous m'avez vu à l'œuvre. Vous avez pu... visiter Bilo Gwango et puis vous avez quand même compris qu'au-delà de l'architecte que nous sommes aussi des gens qui savent investir pour essayer de stabiliser la vie. Ce n'est pas facile, la vie c'est une bataille. Ozomona, vous savez, les entrepreneurs ont la facilité de diriger même l'État parce que basant la capacité makasi. Il y a investissement. Parce qu'un entrepreneur, souvent, a tellement à l'élo au monde. Un homme d'affaires a tellement à l'élo au monde. Parce que l'élo au monde, ce qui est fait à l'élo, c'est bien, mais il y aura une période et vous allez une disette. Il faut que vous allez dans un domaine moussous. C'est comme ça que nous, il nous arrive, bon, il nous est arrivé de dire que, à part l'architecture, moi personnellement, je investis dans les domaines comme l'imprimerie. L'imprimerie, c'est. Nous sommes ici, à Lingola. Oui, oui, imprimerie, Nabisso et Zinsikatozali, au croisement des avenues Prince de Liège et 24 novembre, à côté à Saut des Moutons et en diagonale de la RTNC. Ozomona, Tosale Yango, pour diversifier ma affaire. Ça, c'est un conseil qu'on donne. Parce que niveau, parce que tout le baramakambu, c'est parce que tout le bas théorie, mais parce que nous sommes des praticiens. Nous voulons nous construire comme étant des modèles de cette jeunesse. Jeunesse sur les Olandabiso, il faut apprendre beaucoup de nous. Les universités qui viennent de terminer, Nazo dédié Bango fait mission, va comprendre. L'université le roi Bango. Nous avons voulu appeler l'université, investir dans les compétences. Au-delà, il y a formation. Théorique ou tout ce qui est école, nous nous sommes engagés à être dans une entreprise ou dans un bureau d'études pour apprendre davantage les rouages. Il y a Moussala Nabisso. Parfois, tu peux le faire gratuitement. Tant qu'on n'a pas chargé, c'est le moment que tu peux le faire. Et si vous terminez, c'est à ce moment-là que vous devrez avoir obligatoirement votre projet. Il y a des architectes, il y a 6 classes, il peut dire bon, un projet dans une entreprise à construction. Un projet dans un bureau d'études. Tout ça, c'est important de l'avoir. Et lorsque vous l'avez, vous le montez, donc en montant, on a esprit ici qu'il y a Outaki. Il faut choisir un bon cabinet, et si vous voyez la Moussala, il faut choisir un bon mentor, parce que c'est lui-là qui peut te coacher, c'est celui-là qui a réussi. On ne travaille que dans un système où il y a réussite. Il ne faut pas qu'on travaille en dehors de cela. Sinon, tu ne vas rien apprendre. Maintenant, les jeunes qui viennent de terminer, ils doivent comprendre. Maintenant, la vie commence. Ba kende, na ba cabinet, na ba entreprise, ba ça, la ba stage professionnel na ba mo. Pour que ba koli sa compétence.
Parce que biso direction nous faut to marter la cana compétence. Aussi ici na IEC c'est bien. Kéné attend un magasin moko, soko sala ki comptabilité fait même du bénévolat de manière que on aiguise compétence là haut. Peut-être que soko sala jeune olé ba osoa oté. Mais soko sala compétent et que ba découvrir compétence là haut. Tant qu'on retient un papier ailleurs ba osoa facilement. Parce que Moutou Morote a eu le droit d'engager Moutou à sa compétence. C'est vrai, mais ça les a ébellés. Mais il faut être courageux. Bisson Nyonso, tu as dit dans le terrain, oh, mais ça les a eu dans le terrain. Il nous a fallu beaucoup de courage, beaucoup de stratégie. Tout ça n'a pas de parents, pas ministre. Tout ça n'a pas de parents, pas de grands hommes d'affaires. Ce que nous faisons, nous sommes peut-être, nous sommes pas les peut-être, mais nous sommes les premiers même dans nos familles. Parce que nous avons eu une détermination. Ce qui est au départ, si c'est grâce aux Zoluka, Mongo, n'est pas comme les bateaux de Zate. Nous avons refoulé le porte, tout d'un coup, après son bon. Aux Amouan a été, aux Akokon a été. Il n'y a que l'État qui peut faire ça. Au-delà de cela, faites beaucoup de sacrifices. Et puis, bon, à la page, nous sommes, tant aux six classes, au-delà de la compétence, nous avons appris l'informatique. Il y a un logiciel qui est lié dans le domaine de la mission. Quand tu as la comptabilité, il y a un logiciel qui est ton pro de la comptabilité. Quand tu as le graphisme, il y a une académie de beaux-arts. Il y a un logiciel qui est Photoshop, pour une infographie qui est calmement. Parce qu'il faut être à la page. Quand tu as l'architecture, il y a un logiciel qui est AutoCAD, SketchUp, même Photoshop. Pour que d'abord, il y ait la compétence. Parce que dans un bureau d'études, dans une entreprise, tout de suite, on t'engage lorsqu'on sent en toi une compétence. Nous sommes là, tu as une entreprise. Tu as recruté Batuti. Pour nous recruter, tu as dit, ah non, moi, ça là, domaine, par exemple, il y a graphisme. On est allé à l'Académie des Beaux-Arts. On a retrouvé des gens que nous avons engagés. Parce que, donc, bah, au monde que jeune, a eu le logiciel, il y a eu le compétent. Au monde, le domaine est ébellé. Mais surtout, l'informatique avec les logiciels liés à votre domaine, ce sont des atouts grandioses. Il y a mis ça tout près, le côté où il y a un comment. Moutoumoussou, à 6 classes, il y a un comment. Mais ce n'est pas une fatalité. Luka, professeur, il y a français. Moi, je l'ai fait. On loue un bon prof de français pour corriger le comment. Et puis, il y a un faux à la sincère qui a un comment. Il y a un faux à la sincère français dans les abafotiers belés. Le goût les arabongo, je peux faire 9 mois, 6 mois, pour que ça se perfectionne. Siècle l'autre, vous allez à siècle la vitesse. Il faut être compétent. Si vous êtes compétent, vous êtes pauvre. Or, pour vous êtes compétent, vous pouvez quand même lire tout. Il y a aujourd'hui, ma cour d'histoire, il y a ma français et Zali. Tu corriges, je me fais conscient que je suis gradué, 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 informatique, fondamental. Au monde, c'est extrêmement important. Monsieur Mantati Bandefi, il est à fond. Oui, entrepreneuriat, c'est bien bon, mais bah, tout le monde va se marteler dans le monde de la fond et salité. Fond de départ. Bisous de l'objet. Tant aussi ici, ça là, tu as un stage professionnel. Pendant ce temps, mets en place ton projet. Souvent, le bah, projet. Et ça rassure les bien. Si on écoute un amour, on va soutenir. Si on peut jeûner les bien, tu as plus de facilité d'être soutenu. Moi, par exemple, dans la salle du bureau d'études, j'ai vu un marché. J'étais en posture de bien gagner ça. J'ai présenté le projet. Pas couru tout le monde, à l'égard, il y a un moyen. Couru tout le monde, il y a un bureau d'études. Le rôle, il y a un tenté. À mon cas, on a conjugué les efforts. C'est là où j'ai pris mon propre fonds de démarrage. Pour moi, je suis un peu au fond, je ne sais pas si. Il faut plus la politique et l'État. Il faut un fonds pour des jeunes. Mais si on a un fonds pour les jeunes, il faut que les jeunes aient un projet. Sans projet, je ne sais pas si c'est un projet. Ce qui faut que les gens aient un projet. Les gens ont un salon, ils ont un salon. Mais tant que je suis dans le bureau d'études, je suis passé quelque part. J'ai appris. C'est-à-dire dans une compétence. Tant que nous avons une compétence, nous avons tout le bureau d'études.
Nathalie Bafon Oyo, Ezaki a loué pour sa bureau d'études. À l'époque, je ne pouvais pas dépasser 300 dollars. Tu ne peux pas travailler pendant 2 ans et qu'on a 300 dollars à remonter société. Pour nous, on a RCSM comme un établissement. C'est autour de 50 dollars. Et puis, si on a un bloc de Bélé, on a 150 dollars. Est-ce que 150 dollars, maintenant, n'a mouta sali 2 ans dans un stage professionnel, après ça que transport à haut, on a monté. C'est pas compliqué. Guichet unique, et Zali, qui est là pour se présenter, on a besoin de nous. Aujourd'hui, ce pays a une facilité. Ce qu'on salit, société, non, au bout de 48 heures, tu as la société. C'est là où je remercie un peu M. Matata Pogno, qui a pu mettre en place une stratégie pareille. Ce sont des stratégies à saluer. Parfois, on parle de mal des gens à un moment, bien peu, il faut qu'on reconnaisse. Bon, tout reconnaîtra Congo. Ils ont fait une facilité terrible aujourd'hui dans le Congo, jeune, assis ici, face à la société, 48 heures, on a un document. Tant qu'on a un document, forme-toi. Tant que tu as ici, on a une formation, on a une passation de marché. Mais ce que tu as, c'était des séminaires, nous avons payé 100 dollars. Mais tu as des notions de passation de marché qui te permet de monter le dossier avec beaucoup de d'aisance et qu'on permette de porter une ligne qu'on consulte tout le temps et qu'on lance le marché. On a dit que le monde a plutôt dynamisme, connaissance, monde, des salariés qui ont émergé. Nous allons nous plaindre, mais le désespoir, c'est les champs les plus beaux. Si on s'est pris le monde, on a 8 millions de taux là. Mais toi, sors parmi les 8 millions. Sois le meilleur. Et tu peux. Parce que ce n'est pas sorcier. Nous avons fait ça. Sans appui, il n'y a pas politicien. Dans la période, il y a que vous avez Kabila, mais tu ne peux pas fonctionner. Nous avons fait ça. Tout ça, le parcours, il y a un ce que nous avons fait, c'est ce qu'on vous dit là. C'est ça, la magie, c'est ça. Mais les jeunes, la plupart, ils ont battu à j'ai le roi Paris Foot. J'ai le roi Paris Foot. J'ai d'Azard, j'ai le roi Moyer. Est-ce que ça, pour quel avenir? Bon, les jeux, vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de jouer. Ce sont des réalités universel. Depuis la nuit des temps, Paris Foot et Zali, PMI et Ali, et à ma loisir, nous avons mis un jackpot dans l'auto. Bon, nous avons un espoir. À Tangi, nous avons mis un jackpot, à Zani, nous avons mis un jeune. Vous avez mis un jackpot pour nous mettre les atouts. Oui, à Tangi, mais peut-être qu'on a courage. Il y a un jackpot, il y a un jackpot, tout comme pas, il y a un jackpot pour nous mettre. C'est pour cela. Objectif à ma mission. Et ça peut être pédagogique. Nous tous en Andar ou Bachène, bah tu consoles là, bah on va s'y sacrer là. Tous au pays savant, modèle. N'engagez ni bah tu consoles là, pour que bah s'en sortir. Naïbige est bel un spectateur bah au Landa Bisso. Mais parmi bah au Landa Bisso, 2 personnes bah ont appliqué en haut. Et puis bah on peut ça peut témoigner. J'attends à TVT, mais si bah on consale, bah on le bah en haut. Il y a des gens qui nous écrit inbox. Pour nous, on peut s'appuyer sur merci. Parce qu'ils ont appliqué. Ce que nous avons dit ici, c'est une magité. Et ça, c'est une réalité à monde. Il y a Congo, on a besoin. Dans le Congo, tant qu'on soit respecté toutes les procédures, on va s'appeler surpris, on suit, et puis on va s'appeler à l'autre, on va s'appeler à l'autre. C'est l'ignorance. Tout le monde a mis ma kelle et a wenzete. Oh non, kuna, faut zalana nous nandekonayo. Oh kuna, faut boe na boe. C'est bien, ça peut aussi arriver. Mais un grand homme tente toujours sa chance. Tu peux être chanceux, mais si on a tenté chance, on a eu la chance. Une chance, il faut toujours la tenter. Nous devons être des bagarreurs. Et en gros, nous sommes en train d'éveiller la conscience des jeunes, il faut qu'il y ait une génération de travailleurs. Il y a bateau, il va se prendre des risques à Kosakanaté. Risque dans ma compétence, risque dans ma entreprise. Nous voulons cette génération de Congolais. Et si Kazali a s'organisé, a 8 mois de formation, et puis nous allons de l'avant. Et puis, demain, nous aurons besoin des hommes politiques à viser.
pas des hommes politiques parfois à niveau exacté. Oui, à Yébi, femme à Kofinga Baninga, Fingi Baninga. Projet n'a été tel à Zamabe, projet n'a été tel fois longa, projet n'a été tel à corrompu. C'est ça le projet. Donc, on a dit que nous avons eu le pouvoir. Nous avons eu le pouvoir. Bon, il y a le pouvoir, il y a le développement. Alors, quel comportement, quelle réaction, quelle réplique au jeune va se manifester face à la politique de et les jeunes doivent réclamer quoi? Oui, toujours l'entrepreneuriat, toujours la compétence, toujours la oui. Mais les jeunes va se réclamer auprès de l'autorité. Dans la Bible, Joseph a l'autre famille en Égypte. Aïe a expliqué roi. Et ça écoute Joseph, c'est le roi qui a fait le rêve. Que vache maigre, ils ont mis la vache à Minene, blé, y a Kitoko, ils ont mis la main à blé, ils ont atina. Alors, il y a une interprétation à rêve. Mais Mouton a interprété qu'il y a bien Zakinen. C'était Joseph. Il a expliqué au pharaon qu'il y aura une période. Il y a 7 ans, 7 ans, 7 ans. Il y a vache maigre, période où il y a vache grasse. Il y a une période où il y a une moisson abondante. Période où il y a 100 moissons. Alors, le pharaon, comme il était sage, à l'obin, le là, il y a un coquille qui a interprété le rêve. Pourquoi pas il y a géré le projet wana? Parce que dans l'autre, mais n'a qu'on interprète. Ça veut dire quoi? Les sonnies de Nito Pesa n'a pas jeune en Hollande. Le leadership doit être porté dans le bateau, parce que dans la compréhension vraie, il y a des difficultés dans le bino. Peut-être dans la méthode. Il va dire, il y a un jeune qui a beaucoup de difficultés. Difficulté de jeune, il est mis en ligne. Il y a un jeune qui a beaucoup de difficultés. Il faut que le bateau soit compétent. Quand vous avez quelqu'un à un niveau T, Makambouya entrepreneuriat y est bien noté, Makambouya compétence y est bien noté, à table au Seigneur Sani. Et alors là, aux autres Seigneurs, la moto a une incapacité, il y a quoi sauter, ou bien c'est à sauter. Ton moto a une incapacité à côté le manger, c'est tellement au bout quand même. Pour la deuxième fois. Vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous proposez? Et ça, la manière. Non, mais c'est aux jeunes de comprendre, de choisir des bons leaders. Les robes sont lancés sur la page Facebook. Il y a Fanfam en sentiment. Tu as 5 ans dans ma chaîne, tu as un like, tu as un peu de sentir. Pour que tu crées le leadership, tu as 20 millions de jeunes. Dans Kinshasa, c'est 12 millions. Ils ont dit que tu as créé le leadership, tu as 2 millions. Tu as vendu autour de l'idéologie. Ils ont dit que l'État a été sauté. L'État a été sauté. Mais tu as dit que tu as sauté. L'idéologie, c'est une école et salema pour renforcer les compétences des jeunes. C'est un projet d'entrepreneuriat pour les jeunes. C'est un projet d'entrepreneuriat pour les jeunes. En fonction de la compétence et non il y a la relation, il y a la famille, il y a la bonne. C'est une formation spécifique. Il y a des jeunes pour préparer l'animation professionnelle efficace. L'idéologie est belle. Je crois que tout le monde est en train de se faire. Tout le monde est en train de se faire fidèle, téléspectateur. Il y a CCTV, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des centres de formation professionnelle. Pour les jeunes, il y a des gens qui classent, il y a des gens qui sont en train. Là, c'est de façon gratuite. D'une manière gratuite. Tolingi, ma école de formation professionnelle et technique, pour encourager les jeunes dans l'école secondaire, dans le cycle d'orientation, dans la misala, et ça lié à professionnel et médical, parce que il y a un peu de temps rapidement compétences. Tolingi, ma foyer social salema, pour récupérer ma maman, ma fille, mère, les enfants de la rue, oyo, ma kimi ma parents, pour na mpiaka. Qui m'a parlé pour ma parole à Koufi pour récupérer Bango pour créer ma structure Moko Yanengewana et je travaille d'une façon cohérente pour que tout change mentalité, la perception. Il y a hommes congolais, il y a enfants congolais pour l'avenir. Mais tout le monde va se former. Bako Koma facilement indépendant. Un menuisier, un salatelier,
un coordonnateur au salle atelier, un magistère au salle atelier. On va encourager ça. En même temps, les écoles, vous allez atelier à Minene. Pour la finition, il y a Makasi, il y a un atelier à l'école. Tout ça, on en parle. Les jeunes, ils sont aussi à l'université. Tout ce qui est en train de faire. Ce qui est en à tout moment, ensemble, il y a une idéologie. Auprès, il y a un gouvernant qui va renforcer ma compétence. Notamment, c'est là où il y a l'INPP. À Salahana, maintenant, pour nous, ça a une préparation professionnelle. De manière que les répéteurs des médias INPP correspondent à nos jeunes universitaires, on va aussi dire ça. Pour que ce soit ici, ce soit une compétence dans Moussala, au moins que nous avons l'INPP. C'est important. Donc, nous voulons un pays où l'essentiel d'investissement est tourné sur la formation. La formation avec un pays si riche comme ça, est-ce qu'on peut quand même avoir des chômeurs encore dans beaucoup de rois autour d'un Kitabou? Il y a un lobby, aucun pays au monde. Chômeurs rébellés, avec un pourcentage très élevé. Tous les pays développés au monde, hein, la politique c'est la formation. C'est dans la politique de la formation où idéologie, même il y a patriotisme, les gars. C'est dans la politique de la formation où on éveille la conscience des uns et des autres. C'est dans la politique de la formation. Qu'est-ce que vous croyez? Et des grandes nations, c'est d'abord des systèmes de formation, professionnels, techniques et universitaires. Mais, quelle est la politique dans ce sens-là? En tout cas, de ce côté-là, nous ne nous sentons pas que la politique est essentiellement dans Yango. Nous, on a besoin de ressentir les lois politiques commis, les gens s'apesantissent souvent dans l'élection. Nous avons la nengenina pour revenir sans résultat. L'opposant veut renverser notre régime sans proposition. Nous avons quel genre de classe politique? Nous ne sommes pas fatigués de ça. Les jeunes, vous n'êtes pas fatigués de ça. Les gens qui viennent vous parler, Milor Lukuta. Moutoubena, Yono, Soura, la commis président, Ozoandagou, Ozoabou Enabou. C'est ça parodie. Aujourd'hui, et l'autre jeune, on repose ça, Azala formé. Azala très bien formé. Il y a moyen de créer un emploi. Et puis une politique qui facilite aussi l'entreprise. Il faut réformer pour focaliser en entrepreneuriat, focaliser dans la formation professionnelle. Il faut maintenant faire la réforme ou comment? Il faut. Système éducatif là-dessus. Les dirigeants qui vont venir après doivent se focaliser sur la réforme. Il y a système, il y a formation, la mission en général. Et ils ont la base sur des compétences. Tout le monde qui termine, il faut avoir la compétence. Moutsoua ou tout ça, la biochimie, il faut aller à Moussala. Et ça, dès que tu es à la salle de biochimie, compétence n'est ni tout, il faut qu'il y ait une université, ça perd. L'État ne peut pas former les gens, par exemple, aussi si maths physique avec tout l'investissement, et puis Moutsoua a étudié dans la société. C'est quand même très grave. Parents, comme Bissambon, on était à Bundi, moi, on a six ne fils que baccalauréat. Tu as commis des six mois à la compétence. C'est quand même dangereux. Pour ses parents, parce que mes parents sont souvent bon à l'université. Mais au moins, moi, je suis décis à cause de la compétence, comme ça, là, à cause de mon solon, à cause de mon bon, pour se perfectionner. À cause de l'université, le soir, le matin, jusqu'à 16h, il travaille. Pas sa compétence. Nous voulons que l'enseignement congolais ait changé. Ait changé paradigme, paradigme lié sur les compétences. Quand on dit compétence, c'est Ningoloba. Les longs à 6 classes, la 6 biochimie, la 6 maths physique, la 6 littéraire, pour la société, on a la utile, hein? C'est ça les compétences. Au moins, on a tout de suite ceux qui m'assoient à 6 écoles de maçonnerie pour employer facilement. Il faut plus que qu'on a volé. Ce qui m'a dit ici, nous sommes en justice. Bon, à quoi est-ce qu'il y a justice? Pour nous graduer en chimie, mais aussi, il faut commander la licence pour un titre académique. C'est ça. C'est ce qui n'est pas bon. C'est ce qui n'est pas vraiment, vraiment bon. Donc tout ça, nous devons beaucoup améliorer.
Voilà un peu ce qu'on peut dire dans ce sens. Voilà, nous évoluons. Hein. Il nous reste combien de minutes là? À peu près dans 10 minutes, j'aimerais. Oh, mais d'accord, martelez mon mouquet parce que aux gens qui peuvent voler, voilà. Que direz-vous na ma politicien Abisso, même l'église catholique, ou peut-être la plupart, par exemple, au Sengaba Marche, tout ça, au TOP Cardinal, la Ligue, à Kendatina Braza, Luka Mokondamboka, présence à Soutopesi Mbote Mingi, Topesi Mbote, à Florent Chiba, Topesi Mbote. Pourquoi Luka toujours, déjà Zalaté. Bon, pourquoi l'habité, qu'est-ce que vous pouvez donner comme proposition, solution contre la Mouka, contre le FCC, contre dans tout ça. Les élections, tout le monde a la élection, élection, élection. Je crois que Mboka est un bisounours. La démocratie veut dire liberté d'opinion, liberté de penser. Bisounours, c'est pour cela que nous avons choisi la démocratie. Les cardinals, l'église catholique et l'église protestante ont une façon de penser. Ils ont été là où il fallait faire les choix. Ils ont raison de dire ce qu'ils disent. Parce qu'ils ont point de vue là-bas. De l'autre côté, il y a d'autres confessions religieuses. Ils ont raison de dire ce qu'ils disent. C'est leur point de vue. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, tout président de la CENI qui émane de cette institution des religieux n'a jamais porté l'assentiment de Batounios. Batounios, Babouda Kaka. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il est temps qu'on comprenne que, façon à reprendre la CA, président de la CENI, il faut changer. Parce que cette façon amène plus de contestations. Fallait choisir à la claire. Est-ce que fallait consensus ou bien fallait vote? Il y a des propositions qui ont été faites. Fallait seulement plénière ça là. Le plénière allait proposer par exemple un certain nombre de membres ici de la société civile, ici de l'opposition, ici de la majorité. Et le président de la CENI allait être choisi parmi Bandekonaenios. Parce que, avec les religieux, nous ne sommes pas à même Yakoub Msamukondi, Oyo, Batounios Waondima. C'est ça le problème. Il est temps que le système de la désignation de la CENI est un système tout à fait clarifié et Tchamana Biloko Moko Boye. Même si les gens vont contester, mais les procédures vont souffrir. Malheureusement, avec cette méthode, tu reçois unanimité. Ata Moutazaki Moussousou, et on aura compliqué parce que le pouvoir a toujours tendance à vouloir maîtriser le président de la CENI. C'est une réalité, quel que soit le pouvoir qui viendra, il fera la même chose. Nous voulons seulement un saint qui vienne diriger le Congo. Or, tous les politiciens ne sont pas des saints. Bako applique la même mentalité. C'est là où les choix des animateurs devraient préoccuper au plus haut point les systèmes de la désignation de ces présidents. Est-ce qu'on peut dépolitiser la CENI? Est-ce possible? CENI, comment dire, la dépolitiser? Lorsqu'on a une plénière, le bureau de la CENI, et ça bureau déjà politique, mais seulement c'est un bureau politique non partisan. À quoi ça la politique vont partisanité? Parce que quand dépolitiser et l'ingoloba nini, on ne comprend pas. Toute personne a géré une institution à sa politique. La CENI c'est une institution. Vous avez déjà vu une institution apolitique. Même en matière de droit, il ne faut pas expliquer. Mais Batomayelo Bayebi, qu'un bureau d'une institution est un bureau politique.
Maintenant, dépolitiser, c'est quoi? Vous avez déjà vu quelqu'un, hasard, société civile, mais au fond de lui, il n'a pas de choix. Il n'a pas de préférence. Ce qu'il faut faire, il faut que tout, nous puissions tous veiller sur les processus. Il faut tout éduquer, peuple congolais, dans la réalité électorale. Ce que le peuple congolais a s'approprié dans le processus. Ata Batye, président Nazak, Leki, Yabukon Zamboka, Akwako Trichete. Il faut processus et procédures à la respecter, bureau par bureau, ma PV. Au départ, est-ce que nos politiciens connaissent les élections? Apparemment, il y a une élection bientôt. Est-ce qu'ils se spécialisent? Parce que l'élection, il faut autant la paix. Il faut que vous en ayez expert. De manière bonne, déjà tant que tu m'as dit la désignation. Déjà tant que tu m'as dit la désignation. Il y a Mukondi Aseni. Tant que tu m'as dit la planification électorale, c'est-à-dire qu'il faut que ça là, le plan, il y a élection, il fallait que tout le monde s'implique. Parce que c'est au niveau de la planification, tu vois, l'élection, et qu'on s'en les matins, et qu'on s'en les matins. Dès lors, et qu'on s'en la respecte, tout est. Parce que ce qui fait délai, ça me coûte, c'est l'élection comme à bâcler. D'où la tricherie. Parce que ce qui fait l'élection, ça bâcle, même l'opposition ne saura pas contrôler les élections. Vous allez dire non au glissement. Mais les élections, il y a un temps, autour de la logistique. Ce qui peut commander Biloko. Biloko, on a faut quelque part, faut y aller. L'État va changer un entrepôt, l'État va former Batouango. Il y a un temps, il n'y aura pas de magie. Et lorsque ce temps-là n'y est pas, vous allez forcer la CENI, que l'élection ça la coûte que coûte, à tel délai. Et après, vous aurez des élections bâclées. Donc tout ça, ce que la population a yé, même les politiciens vont s'habituer. Une culture électorale. Que ce soit les opposants. Dans le domaine électoral, les opposants vont s'habituer. Dans le pouvoir, ils vont vérité. Le pouvoir ne décaisse pas l'argent à temps. Les opposants poussent à une procédure bâclée et poussent à un gouvernement d'union nationale pour ne pas se retrouver. C'est ça la réalité de nos pays. Est-ce que les électeurs comprennent cela? Il est temps que nous ayons de très grandes ambitions pour nous indiquer la réalité du processus électoral parce que ni les opposants ni les pouvoirs ne vont pas abuser. Voilà, merci beaucoup Jean-Pierre Bemba qui demande tout le cas président il y a Seni Faote, mais tout le cas Seni et comment Makassi et non pas tout le cas président Makassi. C'est bien, c'est ça que tu veux dire là. La Seni ne peut être forte que lorsque la population s'approprie dans la procédure de sa Seni. Tu veux dire que la Seni abandonne par exemple la planification. Est-ce que la planification est salée? Nathan, tout ça, Nango, Ezali, normal, tout ça va bonnes élections. Parce que ce que plus planification, tout ça, il y a une année. Et que faut tout ça, élection en 2023, élection, ça a bien été. Parce que le temps, la logistique va poser problème. Yango, mon ami, après, on a fait des trucs dans la précipitation, mais la logistique a posé problème, mais vous tous, vous êtes pris au dépourvu, vous ne pouvez rien contrôler. Mais ce que tu respectes, tant, au moins, il faut que vous la maîtriser. Il faut que le peuple comprenne, après le processus, dans le moment où il y a un enrôlement, il faut tout surveiller. Parce que Moutoumoussa Kokenda s'enrôlait deux fois, Abimi Boudoublo, c'est une voie perdue pour un candidat. Moutoumoussa Sou, a yébi, nenge, yako fotete. Il faut yéba. Donc, Makamboueza est belé. Dans le cas urne, le bulletin est confectionné, le système est tout ça. Dans le système, par exemple, il est proportionnel. Pour le président de la majorité, il y a un député belé, il faut tout mettre à boire. Mais parfois, le politicien va rater. Il se retrouve parfois coincé dans un schéma préparé d'avance. Parce que la tricherie électorale ne commence pas dans seulement Yakoïba urne. Mais c'est parfois dans la légalité qu'on triche, avec des petites lois qui sont discriminatoires. Et les gars qui disent que c'est un seuil. Ce seuil-là, et celle qui va partir, on va dire que c'est un bon rebelle, on va dire que c'est un bon rebelle,
va récupérer la majorité et tout. C'est là où le peuple devait être clairvoyant. Mais là, le peuple n'a pas joué son rôle parce qu'il ne comprend pas ce que c'est. Et vous laissez les mêmes gens revenir avec force. Maintenant, il faut travailler avec des corrompus. C'est là où nous devons déverrouiller les choses. Aux hommes, on a fini. Aux gens qui nous ont suivis, aux téléspectateurs, qui veulent aussi apprendre l'entrepreneuriat et un beau, peut-être, pour conclure. Tosengi, Nabajen, on va dire aussi ça. Tosengi, Nabajen, on va venir dans Daku. On va comprendre que destin, ils en ont beaucoup. Destin, ils en ont beaucoup, ils en ont beaucoup. Ils en ont beaucoup. Tout le monde, ils en ont beaucoup, ils en ont beaucoup. Il est temps de s'organiser, de se réunir, de se réunir, pour que de faire plier l'exigence Moussoussou, de l'insuffisance Moussoussou à l'État congolais, pour lobby lobby, système moko puissant et s'installer, système à la portée de la jeune congolais, intelligent, la jeune congolais, va lingi Moussala, pour que de l'insuffisance Moussoussou vers le développement. Merci M. Mansanti Mandefi, président du mouvement citoyen de son enfant, tout ce qui s'y voilà. Je ne sais pas si vous avez des salutations, vous avez peut-être un appel que vous pouvez lancer à tous les habitants de Lingwala en rapport avec l'imprimerie, s'ils pourront passer, et vous recevez tout le monde. Donc vous faites presque tout, impression sur t-shirt, sur polo, sur... En tout cas, nous sommes allés, nous avons lancé une imprimerie, à Loé Palace, print, et allés imprimerie Nabino. Commande à des avenirs Lingwala. Distance, on peut vous appeler. Bon, on va faire la photocopie, surtout les étudiants basa tout autour. La photocopie est allée sur A4, A3, jusqu'à A0. Ma impression, il y a un t-shirt est allée, il y a un larnier est allée, il y a un drapelet est allée, imprimerie est allée, ma photocopie, il y a un nionso est allée, ma papier couché, il y a différents grammages est allée, et puis il y a une petite papeterie ici. Pour les papiers duplicateurs, ils peuvent venir s'approvisionner ici. Les jeunes des étudiants qui sont tout autour, ils ont à peine appris à bien. Nous sommes ici au croisement Prince de Liège et Avenue 24 de la Libération. À côté, il y a Saut des Moutons et précisément à l'arrêt à Diplomate, de Pena, arrêt à Kitambo. Sobo Komiwana, Boromona, Imprimerie, Nabino, Ezali. Awa, boya, bo soutenir l'imprimerie oyo. Numéro et téléphone, la biso bon, la commande, la bino, 082-26-39-983. Même numéro, bobenga, parce que numéro est allié à président, la bino, oyo, nde na pesi, toujours 082-26-39-983. Bon, bobenga, pour la information, belé pour le mouvement citoyen. Et ça va très bien. Mouvement ça est bien, tout ça ouvert à tout moment. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à mon Jambé Alain Kabongo. Merci à nos exploitants qui sont toujours là, très solides. Hein. Bino Nzinga, je merci qui vous. Bino, merci hein, pour le travail. Merci à Fisso Atunga et à Di merci qui vous. Romain Makonda, Karine Bébé. Nous aussi vous retrouvera très prochainement. Portez-vous bien. Ciao.